mais si, regarde, on est arrivé, il y a un avion. Ah oui. Putain, mais ça fait un bordel. Allez, on a des l'avion de Grand Utopia. Ah ouais. C'est l'avion du patron. C'est l'avion du patron. Bon, c'est bon, t'es prête? On y va? Parce que je t'attends, moi, là. Allez. Ok. C'est parti? Ouais. Allez, vas-y. L'intro. C'est quoi? Allez, l'intro, là! Mais c'est quoi? Bon, comment ça, c'est quoi? T'as l'habitude? Ah non, je connais pas. Écoute, M'Colo qui passe avec sa 50. Oh, le bruit! Oh, la race! Salut à tous, c'est Fox et Miss. Salut à tous. On se retrouve pour une vidéo tranquille, Emile, et un petit retour à la maison sur Grand Utopia. Et oui, nouvelle version de Grand Utopia. C'est quoi la version, dis-moi? Est-ce que t'as appris ta leçon? Ben non, j'ai rien parce que tu m'as rien dit. Moi, ah ben Dieu, je t'ai donné la feuille de route. Alors, on est sur la version... Allez, 1.16.2, la nouvelle version que My Goodness nous a sortie récemment. En plus, je vois rien que c'est une lettre de vue. Ben voilà, ben comme ça, ben alors on est bon. Voilà, donc... T'as dit quoi? 1.16? 1.16.2. Ah ouais, c'est bien. Mais quand même. Non, mais il manquerait plus que ça. Non, mais... Donc, comme vous le voyez, on se retrouve avec ce magnifique Renault. Cargas. Scania. Ah bon, merde, Scania. Oh punaise, c'est Turbo qui va m'engueuler. Donc, on est sur Grand Utopia, on va vous expliquer. Le but de cet épisode, c'est en fait de vous montrer une des nouveautés de Grand Utopia sur la version 1.16.2. Très bien, Miss. Et on va faire une pierre deux coups, on va vous montrer, je vais vous expliquer à l'écran, sur la carte, la nouvelle portion de route que a fait My Goodness, cette nouveauté. Et en plus, on va aller voir le patron. Ah oui. On va aller au dépôt du patron avec ça, la remorque du voilà. Patron. My Goodness, voilà, son entreprise Grand Utopia Express. Et puis nous, on va aller là-bas. Avec. Ah, c'était vrai, Grand Utopia Express. Ben oui. J'ai vu que t'avais mis, que t'avais fait la remorque Express. Ah non. Vite fait quoi. Non. Bon, voilà, on se retrouve avec ce petit Scania. Alors, ce petit Scania, je vais pas en faire. Des caisses. Mais c'est le petit mode du moment. Et c'est le mode de Juicy TV. Et ce petit Scania, alors c'est le Scania... C'est quoi? Vas-y, mais dis-moi. C'est le Scania série PGR, ouais. Voilà, que l'on peut retrouver, vous avez les liens dans la description de cet épisode de la vidéo, vous avez le lien qui vous amène sur Steam Workshop pour récupérer gratuitement ce fameux mode que tout le monde parle en ce moment, que tout le monde veut utiliser. Et puis, on va en parler une fois qu'on aura démarré, hein? Ok? Ah oui? Voilà. Et puis, d'ailleurs... Tant que t'as récupéré la remorque, on n'est pas parti. Mais j'y vais tout de suite, derrière. Allez, hop, je fais le tour. Oh putain, j'ai failli manger la calandre. J'ai failli avoir marqué Scania sur le front. Allez, voilà, on est dedans. J'activerai après. Comment? Il y a la place. C'est... Ah ouais, là tu conduis pas, alors là tu vas pouvoir te lâcher. Bon, je vais activer le Tobi. Allez hop, c'est fait, voilà. Et puis on va aller récupérer la remorque qu'il y a là-bas. On va démarrer. Ah, ça fait bizarre le dedans, ça fait vieux. Alors je l'ai fait de cette façon parce que je l'ai trouvé très très joli comme ça. Ah, ça m'étonne pas. Il y a une étude. Ouais, parce que c'est vieux, c'est pour ça que tu dis ça. Ça fait un peu rétro quoi. Bon, allez, on va démarrer. Non, mais tu trouves pas? Écoutez-moi ce petit V8. Waouh. Alors, ce petit V8, on va en parler. On va aussi associer ce son à notre ami Turbo Transport. Et je vais vous expliquer, vous allez comprendre après pourquoi, pour avoir ce fameux son V8 avec le Scania de Juicy TV. Pour l'avoir, c'est un petit son de Crash Bomb.
Et je vais vous expliquer après comment, enfin pas comment la voir, mais ce qu'il faut faire et où aller pour la voir avec notre ami Turbo Transport, à qui on fait un coucou. Coucou, hein, Turbo. Voilà, allez, nous on y va, on perd pas de temps. Hop. Ça fait un bordel dehors, motos. C'est clair, les, mais ferme tes vitres déjà peut-être. J'ai cru que t'allais me dire autre chose, mais non, bon. Non, mais les vitres sont ouvertes. Mais je sais, mais il et fait chaud dehors. Mais non, si j'ai pas envie, c'est et moi qui conduis, alors je fais ce que extérieur. Je veux. Mais non, mais tant pis, c'est pas grave. Hein, c'est moi, hein, c'est moi qui conduis. Hein. Alors, ce que je peux faire, le Toby, je vais le désactiver. Comme ça, ce que je vais faire, je vais, tu vois. Je sais pas. Ah, c'est ça qu'a dit Mkolo l'autre jour. Voilà, c'est ça qu'avait dit Nico. Et je suis pas bon du tout déjà. Commence par. Le camion, qu'avec la remorque, qu'avec le tracteur, quand même là. Ah, mais je sais pourquoi. Pourquoi tu ne vois pas là. Non, mais je mais sais. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu tournes la tête puisqu'il est désactivé? Ah, mais oui, merde, c'est vrai, il est désactivé. Le Toby est désactivé. Non, mais je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Ah, ouais. Ouais, oui, mais tu vas voir. Tu vois, là, je dois pas être bon encore. Il va falloir que je me reprenne. Parce que je suis pas droit du tout. Ah, si, peut-être. Pas loin, juste peut-être. Un peu t'avances. Ah, ouais, putain, la patron. Ah, mais c'est vrai, il faut pas que je tourne là. Attends, je vais faire ça. Ah là là, le boulet. Et oh, alors moi, je me. Ah, mais si, je suis pas trop mal quand même. Hein. Mais oui, je t'ai dit, t'as juste avancé un peu. Attends, on va se mettre comme ça. On l'a dit, tu passes la tête. Par la fenêtre. Et t'as dit. Ouais, on passe la tête par la fenêtre, oui. Ah, mais si, tu vois, mais je me suis pas mal démerdé, franchement. Ouais, d'accord. Bah, quoi Les confettis. Non, c'est pas les confettis, non. Ouais. T'abuses, là. T'abuses. Bon, on va regarder quand même l'ensemble. Voilà. Il y a eu un truc. Voilà l'ensemble avec la remorque du patron. My goodness, on file à Grand Utopia. On file à Grand Utopia, mais à Grand Utopia Express, voilà. Est-ce que tu peux me dire d'où on part et où on va? Bon, arrête de te foutre de moi, je suis assez concentré, alors... Ah, t'es concentré? Mais oui, mais je conduis pas souvent, hein. Ouais. Finesse, alors toi, on pour m'épauler... On va à 30 km environ. Oui, d'accord, mais il y a le lieu de départ, c'est Chalezeul. Ah oui, j'ai vu les noms, mais je peux voilà, pas dire ça, Chalezeul. Moi. Mais Chalezeul. Et on va à l'entreprise Grand Utopia Express qui est à Jean Valjean. Quoi? Jean. Rien. T'as dit quoi? Rien. Mais dis-moi. Mais non, à Jean du. À Jean. Eh bien, c'est à Jean du Bartail. Voilà, à Jean du Bartail, et qui est l'entreprise de notre ami Mike Gonesse. Comment ça, ouloulouloulou? Mais c'est quoi le souci? Dis-moi. Déjà, c'est vrai, bon, j'ai une feuille parce que je sais pas ce que monsieur décide de faire. Ouais. Je l'ai pas lu avant. Mais je mais sais alors, bien que tu l'as mais, pas mais lu faut avant. Pas faire, mais faut pas faire un roman quand tu fais une feuille, quoi. Tu mets Putain, des mais points. Ça va jamais, mais c'est incroyable, mais vrai, hein. Tu mets trajet, tac, tac, le premier et deuxième. On part, on arrive. Là, des phrases, on cherche les mots, ou alors on met les en noir. Déjà, je vais fermer les fenêtres. Ouais, et pas que, mais... Ah, voilà. Ah, ça va mieux. Ça va mieux, il y a un peu moins de bruit. Bon, et qu'est-ce que tu disais? C'est quoi le problème? C'est quoi? Vas-y, dis-moi. Mais tu fais des feuilles... Bon, pour vous dire, voilà. Qu'on part de Chalezeul et on va rejoindre Jean du Bartail, l'entreprise de notre ami Mike Gonesse, le patron. Alors, en fait, vous allez voir à l'écran, mais tout simplement, la carte. Avec cette nouvelle portion de route, la D31, que Mike Gonesse a rajoutée, et en fin de compte, ça fait une ligne droite toute simple qui va de Chalezeul aux alentours de Chalezeul et qui part à Jean du Bartail. Voilà, alors on n'y est pas encore sur cette portion, ce sera un petit peu plus loin. Donc je regarde mon GPS parce que je garde moi le GPS de l'écran sans rétro, hein, pas non, comme certains normal. Qui cheatent, qui trichent. Quoi? Pourquoi tu me dis c'est normal? Bah, parce que quand tu bouges, Hein?
quand tu bouges la tête et tout, tu vois tout. Moi, je vois rien. Ben oui, 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 bien sûr, oui. Alors, j'essaye de quand même de pas trop bouger pour ne pas, comment dire, que ça fasse un effet clac, clac, parce clac. Que si c'est moi qui suis là, vous allez vomir. Hein. Ouais, non, mais bon, on fait quand même, on va faire doucement. Voilà. Donc, on prend deux. D'accord, le GPS. Mais c'est pas dans ce sens normalement. Ben je sais pas, mais il y en a un qui dit ça pas étonnant. Alors attends, on va afficher. Non mais c'est pas grave, t'as la route. Ben ouais, Jean du Bartail, normalement par la D30. Ben alors pourquoi il m'affiche l'autre côté? Ben parce que. Bon jeu... c'est pas grave, on voilà. Va aller là. On va de toute façon je connais la route. Hein. Ah bon? Oui, je connais la route parce que on y est passé quand on a fait le convoi l'autre jour. Ben entre le convoi de chill entre nous, entre les acolytes, il me laisse passer ou il veut tourner? Il me laisse passer. Merci gars. C'est quoi que j'ai fait? Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai fait un truc là. J'ai entendu le tic tic. Oui, tic tic. Ah non mais c'est bon. J'avais enlevé les feux, je les ai remis. Oh là là. C'est pas mieux que moi avec le volant, hein, je vois. Non mais c'est bon. Ben non mais bon, là vas-y. Là j'essaye de penser à ce qu'on va. Ouais, je vais c'est... dire. C'est vrai que je trouve que l'intérieur, par contre, ça fait vide. Enfin, pas tous les boutons et tout à bout de bord. Mais quoi? La console, ça va. Mais alors, je trouve que ça fait un peu vieillot. Mais non, ça va, c'est... Ah, c'est sûr, c'est pas moderne, hein. Disons que, ouais, d'habitude, t'as tous les gris-gris et tout, et là, t'as rien mis, quoi. Mais j'ai rien mis, j'ai mis ce que là, je pouvais. Le citron et... Mais j'ai mis ce que je pouvais. Je pouvais pas... voilà, je pouvais pas mettre grand-chose. Alors, peut-être que... Hein? Et chouette, ton pendentif. Mon pendentif, la tête de mort. Mais on pouvait rien mettre d'autre. Bon, allez, ouais, on va rouler parce que... On va regarder le décor. Hein, parce allez, que, voilà. Les... Donc, alors, on n'y est pas encore. On va presque donc y être est... sur la D31. Ouais, on va presque y être. Là, on va la rejoindre. En fait, au bout, là-bas, là, on va partir après sur la droite. Et on va ensuite, de toute façon, Jean du Partail. Et... Hein? Non, je me demandais ce que c'était par terre. Des sacs poubelles. Ah. C'est pas propre, c'est pas hein, celui qui a fait ça. Hein. Ouais. Voilà. Et pourquoi j'ai pas conduit? Et que sur la carte du patron, tu veux conduire. Là, on rejoint, voilà, pile poil. On est sur la D31 et cette route, en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la carte, et bien là, vous le voyez encore une autre fois, en la nouvelle portion clignote. Et en fait, ça vous indique la nouvelle route de cette nouvelle mise à jour 1.16.2 que MyGodness nous a sorti cette mise à jour gratuite de Grand Utopia. Et voilà. Donc, c'est bien quand même. Parce que nous, on avait pris cette route l'autre jour pour test avec MyGodness, Turbo, Mcolo et Seb. Où on avait pris. Oui, c'est on longe. On est en bord de longe. Voilà, exactement. D'accord. Tu vois? Et puis, on va faire la petite parenthèse avec ce son de... Du camion que tu voulais parler par voilà, rapport à Turbo. Voilà, ce son V8. Alors, pour ceux qui voudraient utiliser ce mode, Scania, PGR, de Judy TV, il faut savoir que si vous l'utilisez, vous n'aurez pas le son. Alors, il existe plusieurs façons d'avoir un son. Il existe une façon pour avoir un son, sans dire de bêtises, de Max 2712 ou sinon de Kriegsbaum. Et le son que vous entendez là, c'est le son de Kriegsbaum et qui est magnifique. Bon, c'est bien sûr, c'est un son V8. Le son d'origine n'est pas trop mal. Enfin, moi, je le trouve pas trop mal. Mais avec le V8, bien sûr, voilà. Quand on accélère un petit peu, voilà. Quand on accélère un petit peu, je vois ma fenêtre. Voilà. Et là, ça... Il y a quand même une autre dimension. Vous allez voir. Il a quand même un bon. Un super son. Et ce son, mais pour l'avoir, tout simplement, je ne vais pas vous dire comment faire, mais vous allez aller dans la description de cet épisode. Et puis, vous aurez un lien vidéo qui vous amènera vers un petit tuto très simple, très facile, de notre ami Turbo Transport, qui en fait a fait un petit tuto pour expliquer comment avoir le son sur ce mode de Kriegsbaum, le V8 de Kriegsbaum. Donc c'est vraiment bien, moi j'apprécie ce qu'a fait Turbo. Je crois même que c'est un de ses premiers tutos d'ailleurs qu'il a fait. Oh, il a fridé comme ça lui. Mais bah, qu'est-ce qu'il fait pas, mais je crois qu'il a été obligé avant. Mais qu'est-ce qu'il fait ouais. Ah, tu vas pas me compliquer la vie. Alors j'ai pas... Hein?
Et allez, ah prune. Merde, je suis à 35. Tu vois, j'étais. C'est pour ça qu'ils. J'étais concentré par Meschnol en face là. Ça te fait rire. Et voilà. Et allez, c'était une zone à 30. J'ai pris une prune. C'est bon, ballot. Ouais. Voilà, donc pour le premier tuto de Turbo, ben, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description qui vous amènera directement à son petit tuto, une petite vidéo simple où il explique très bien en fait ce qu'il faut faire. Il n'y a rien de compliqué, mais ça vous permet d'avoir le V8 sur le Scania PGR de Juicy TV. Voilà. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que moi je trouve que c'est bien ce qu'a fait Turbo de partager ça. Il a partagé son petit savoir et c'est très sympa. Comme ça, ça permet à bon nombre d'entre vous, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui l'utilisent ce mode. Donc voilà. Ok ? Oui. Bon, deuxième mode que je vais vous parler. Le deuxième mode que je veux vous parler, c'est Grand Utopia Trafic. Alors, Grand Utopia Trafic, qui est créé et réalisé par Winchester, exactement. Vous pouvez aussi retrouver ce mode avec un lien dans la description de cet épisode, et qui vous amènera sur le Steam Workshop, où en fait, alors je sais pas s'il en est à ses débuts, je voulais quand même vous dire que ce qu'il faisait, et pour moi c'était une belle initiative, parce qu'en fait, il a dans son mode deux choses. Il a dans son mode l'IA. C'est un petit peu comme un mode de Jessicat. Mains sur le volant, non ? Oui, patronne. C'est un petit peu comme un mode de Jessicat où, en fait, dans l'IA, quand vous avez son mode, Grand Utopia Trafic, ça rajoute des véhicules IA qui sont personnalisés aux couleurs de Grand Utopia, mais surtout la principale chose de son mode, c'est en fait que ça ajoute toutes les VTC sur les remorques. Vous avez des skins remorques, mais c'est toutes les VTC de Grand Utopia. Alors, on n'a pas fait gaffe là jusqu'à présent, mais des fois quand on croise un semi, la remorque, on va dire à 95%, c'est de son mode et qui c'est aux couleurs d'une entreprise de Grand Utopia. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Si tu me regardes... Je t'écoute. Non, parce que tu n'arrêtes pas de regarder mes mains et il faut que je laisse mes mains. C'est ça. Mais là, c'est droit. Il n'y a pas de virage. C'est bien. Il n'y a pas de virolo. Il n'y a que Nini. J'ai rien dit. Hein ? J'ai rien dit. Non, mais je te vois dans le coin de mon œil. Et je ne peux pas tourner ma tête parce que j'ai le machin. Et si je fais ça... Bah, enfin, quoi que je pourrais le désactiver. Hein. Mais non. Après, tu vas être perdu. Mais non. Donc voilà un petit mode de Winchester que je vous invite à essayer. Hein, et moi je l'encourage à continuer, par exemple pour les petits véhicules, enfin les véhicules de l'IA, parce que il y a de très 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 bons skins. Et puis en plus, quand vous roulez, vous avez vraiment et réellement les skins de l'entreprise, des entreprises. C'est là qu'elle s'arrête, regarde, quoi, ça là-bas. Merde, j'ai mis ma main devant moi. Tu le vois ça là ? Le panneau ? De quoi ? Oh là là, il va falloir que je fasse ça. Est-ce que tu vois le panneau ? Ben je le vois, mais tout est écrit à la suite là. Alors attends, je vais me remettre dedans, on va faire un truc. Regarde, on va faire ça. Fais zoom. Hop ! On est où ? On est où ? Allez, je vous dis pas plus. On va vous faire bosser dans les commentaires. Et dites-nous, alors pas le nom, hein, parce qu'il suffit de recopier en faisant pause sur l'épisode et puis vous pourrez après l'écrire. Non, c'est pas l'écrire dans les commentaires, mais c'est quoi pour ceux qui ont la ref ou monsieur les gendarmes. Et qu'est-ce qu'ils font Mais qu'est-ce qu'ils font? Regarde. De quoi? Mais il y a la gendarmerie qui est à côté de moi. Il faut les laisser passer. Ils n'ont pas le giro. Parce que c'est 50 et je suis à 35. Voilà, donc t'as pas deviné, t'as pas eu le temps. Ben non. Eh ben je te le dirai après. Non. Je vais pas le dire là, hein. Tu me diras pas. Et pourquoi je te le dirai pas? T'as me remontré le nom. Mais je peux pas te le. Comment tu veux que je te le remontre là? Ben je le dirai quand. Mais je te le montrerai après quand on aura fini. Ouais. Et je te dirai, mais si vous avez la ref, comme ça déjà on verra si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, mais au moins ça vous, on saura si vous avez la ref, tout simplement. Moi je vais pas vous le dire parce que je le sais, mais j'avais pas deviné quand on a fait notre petit convoi de test avec MyGoodness et toute l'équipe pour voir cette portion de route qu'avait rajouté MyGoodness avant que ça soit rendu public, la Grande Utopia. Et bien on y était passé et on...
je crois que c'est Seb qui avait trouvé. Et il avait même bien prononcé. Voilà. Miss, elle a bugué, elle est en train de chercher. Oui, non, j'ai arrêté sur le début du mot, moi. J'ai pas eu le temps de voir la fin. Eh bien, quand on aura fini, je te montrerai. Ouais, et puis mais on ça aurait verra... été bien, ça se trouve, j'aurais pu le dire. Ouais, non, mais on va pas rester 3 heures devant la pancarte non plus. Ouais. On n'est pas loin, on est presque arrivé. On est toujours, voilà, sur cette petite portion de route, la D31 qui a rajouté Mike Gonesse. Ah, ça, c'est toujours de la partie. Voilà, rajoute. Là, on va arriver sur la fin, parce et juste après, on arrive à Jean Dubartail, et qui va nous permettre d'aller et voir l'entreprise de Mike Gonesse. Et ça, c'est cool. Ah, le pont, t'aurais pu regarder là, le pont là. Oui. D'accord. Et donc, moi je croyais que ça s'arrêtait à l'entrée de la ville. Putain, la route. La route est pas très nette. Voilà, là. Normalement la D31 s'arrête ici. Voilà, exactement. Exactement. Et avant, en fin de compte, on pouvait pas prendre cette portion. D'accord. Alors, c'est chouette ici. Ouais. Et. Ah oui, non. De quoi ? Non, j'avais dit on peut pas aller sur le pont, mais. Si, on peut prendre la route et aller sur le pont. Regarde le. Merde, le GPS. On peut. On peut, mais c'est une route qui passe. Qui fait. Ouais, oui. Vous avez compris quoi. Oui. Alors je vais. En fait, voilà, on pouvait pas aller là et je sais plus jusqu'où on pouvait aller. Donc voilà, on arrive à Jean Dubartail. Exactement. Alors donc ça, c'est la capitale du patron. Ben c'est la capitale du patron. Allez. Putain, c'est ça chiffre là. J'ai pas fait gaffe. Bien alors, c'est vrai que c'est tout petit. C'est tout petit. Ouais, j'étais à 60, ouais, c'est ça. Et ça, c'est d'être habitué au digital, ça. Exactement. Mais tu vois, tu fais bien de dire. Bon, c'est tout ce que j'ai dit, les modes et tout. Normalement, de Winchester, voilà le dernier petit mode que je vous ai parlé. Surtout, n'hésitez pas à y aller dans la description. Et puis, allez voir sa petite vidéo si le son vous intéresse. Et franchement, moi, le son, bon, vous savez tous, hein, tous ceux qui regardent nos épisodes ou qui ont l'habitude du monde de ETS2, vous savez que les sons de Crashbone sont magnifiques. Et franchement, ça apporte un petit côté. Ben, moi, j'aime bien, moi, je kiffe. Et pour rester dans le monde du routier, tu voulais parler de notre ami M. Colo. Ah oui, je voulais faire aussi une parenthèse. Ben, on va le faire avant d'arriver. Ah bon. Attends, je regarde quand même parce que je veux pas faire de conneries. Vous avez, mais là au moment c'était pas prévu. Tu arrêtes de toucher ton câble parce que moi ça j'entends des trucs dans mon casque là. Hein, s'il te non, plaît. Non, mais tu rigoles, j'espère. Si je te le dis. Ah oh, bœuf. Mais oui, mais c'est vrai. Ah, mais il faut être momifié quand on est au bureau. Oh, arrête, dis pas ça. Hein ? Mais dis quelque chose, ah, putain. Non, ouais, je sais pas, jamais si je postillonne que t'entends. Oh, arrête, abuse pas quand même. Je vais passer pour un. Ouais, un forçonné là. Oh, bah. Putain, mais je me suis pas trompé là. Oui, parce que moi, il faut que je parle, il faut que je dise. Ah, tu m'as dit, mais moi, la route est... pas de GPS. Moi, je t'aide quand... Non, mais je le vois, le GPS. Mais je suis pas assez reculé en vue. Mais c'est pas grave. Voilà, hop. On va passer par moi, ici. Moi, je connais la route, je l'ai oui, faite. Oui. Alors, j'ai pris assez large avant que tu me le dises. Voilà l'entreprise de Mike Gonesse, regarde-moi ça. Ah ouais. Grand Utopia Express. Voilà. Il faut faire qu'on passe devant là, t'es une voiture garée en travers. Mais non, de toute façon, plus, peinture, je crois qu'on va passer là, devant, parce qu'il faut aller se garer de l'autre côté. Bon, voilà, oui, d'accord. Petite parenthèse aussi, la dernière vidéo de notre ami M. Colo, n'hésitez pas à la voir, il s'est relancé dans une carrière sur Grand Utopia. Alors là, chapeau bas, j'aurais pas pensé qu'il serait revenu sur Grand Utopia, surtout en carrière. Alors qu'il revienne sur Grand Utopia pour des vidéos, là, il n'y a pas de souci. Mais en carrière, il m'a bluffé. Et puis carrière, vraiment, il commence à 0,1%. C'est quand même chier. Hein. Et puis voilà, puis il nous fait un petit débrief un petit peu de ce qu'il y a pu y avoir dernièrement avec le Hori par rapport aux commentaires. Enfin, tout un tas de il trucs. Il est très surprenant. Hein. Il est très surprenant. Il me laisse passer, lui, le... Pff, lui, il arrive devant pour te laisser passer. Eh ben, écoute, il est gentil, le monsieur. Allez, on retourne ici. J'aurais dû enlever mon clignotant et le remettre. Voilà, on arrive chez le patron. Donc, n'hésitez pas. Oh, regarde en plus. Regarde la remorque qu'il y a. Voilà, alors ça, on va faire une vue extérieure. Voilà. Et en fait, regardez la remorque qu'il y a là. Alors, pas forcément le tracteur
qui va avec la remorque, mais ça, ça fait un peu réaliste. Vous avez tout simplement une remorque des transports TDZ, notre ami Kalash. D'accord, Mister Kalash 62, donc un coucou, notre ami Kalash. Et tout le monde est venu boire le café chez le patron. Ah ouais, merde, mais c'est peut-être pas Kalash, hein, mais bon. En attendant, voyez, le mode fonctionne. Vous avez les skins remorques de Grand Utopia, des VTC de Grand Utopia. Et ça, moi, je trouve ça super bien, l'idée qu'a eu Winchester de son mode Grand Utopia Trafic. Franchement, moi, je vais l'encourager à continuer. Quand il y aura des mises à jour, je vous en reparlerai. Le mode est gratuit, hein, mais regardez ça, c'est cool. On voit les remorques. Et ça, c'est bien parce que c'est vrai que moi, j'avais arrêté de mettre le Painted Traffic de Jazzy Cat parce qu'il mettait des entreprises réelles, mais qui n'avaient strictement rien à voir avec Grand Utopia. Que se passe-t-il là? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Putain, j'allais m'écraser là. On va pas te laisser rentrer. On va pas me laisser rentrer. Help, patron! C'est quoi ce bordel? Vous êtes en grève ou quoi, monsieur? C'est quoi ce beans? Je suis pas assez avancé ou quoi? Mais non. Attends, j'ai loupé un truc là. T'as des soucis avec les barrières, toi. Mais pourquoi il veut pourquoi il veut pas me laisser rentrer? C'est pas la sortie, ça. Mais ils sont fermés? C'est quoi? Mais merde! On rentre pas comme ça, hein. My goodness, c'est quoi ce bordel? Pourquoi elle s'ouvre pas? Mais non, mais je sais pas, j'ai rien à faire moi normalement. Mais l'autre camion, apparemment, c'est peut-être pareil, il peut pas rentrer. Attends, j'ai loupé un truc ou quoi? Non, mais j'aurais. Ah, ça y est. Il y avait le contrôle de papier. Désolé. Ah. Punaise, ça rigole pas là. Ouh là là. Allez, on va aller là-bas pour aller se garer. Enfin, pour aller se garer. C'était pas moi au volant, je répétais la barrière. T'as pas dit ce qu'on transportait? Oui, du matériel informatique pour faire travailler le patron. Pour qu'il travaille sur les add-on maps, sur Grand Utopia qui nous... Voilà, petite entrée, normalement, c'est l'entrée principale. On pourrait faire une vue extérieure quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ouais. Regarde ça. Ah ouais. Va refaire la peinture un peu. La société de My Goodness. Eh bien, c'est la première fois qu'on vient là. Ah oui, moi. Moi, je connaissais pas du tout. Ah, mais il y a des petites pancartes. Putain, mais c'est comme les toubibs là. C'est quoi qui est marqué? Enfin, déjà. Attends. Qui c'est qui est garant de travers là? Attends. On verra mieux si on est dehors. Ouais, mais déjà, on a qu'à aller se garer et on va revenir voir. Ah ouais, qu'on revienne à Pince. Putain, j'ai pas bien vu. J'ai pas bien vu. Ah, je vois Whitney. Ouais, punaise, ça rigole pas ici, hein. On va revenir à Pince. Allez. Alors, est-ce qu'il faut que je me gare là ou est-ce qu'il faut que je me gare à quai? Je sais pas du tout. Ah si, là-bas. Ah, voilà. Okay. Ah ouais, voilà, c'est ça. Il y a des citernes aussi. Alors attends, on va se mettre peinard. Hein? Oh là là. Quoi, oh là là? Non. Comment ça, oh là là? Voilà, bon là, à mon avis, si je me chie la marche arrière... Allez, avec plaisir. Là, ça va te plaire, ça. Hein? Allez, on va mettre la tête par... Oh putain, il y a du bruit dehors. Par le hublot. Allez. Je vois rien, mais c'est pas grave. Normalement... Attends, je vais refaire une petite vue. Bon, c'est bon, mais t'es loin, en plus. Je suis un peu loin, là, ouais. T'as le temps, hein. Mais normalement, je dois me mettre juste à gauche de la remorque. Là. C'est bon, vas-y. Attends. Je suis un peu plus cassé. Ouais. Voilà. Pour voir bon. Où je suis. Oui, ouais. Vas-y. Ah, t'es un peu collé. Tu vas être, voilà, un petit chouillard. Voilà. C'est bien, là. Remets-toi droit. Oh, putain! Oh, petit, là, attention. Je vais me redresser un petit peu. Je vais me redresser un petit peu, hop. Et tu vas pas tarder à passer le bras par la fenêtre. Ah ben ouais. Et t'es en train de pousser le levier de vitesse là, mademoiselle. Je fais quoi? T'es en train de pousser le levier de vitesse. Oh putain. Attention, hein. Je sais pas si je vais être bien là quand même. Hein, qu'est-ce que t'en penses? J'sais Tu pas. Crois que je vais être bien là? Mais pourquoi tu serais pas C'est bien. C'est mal barre, hein. Oui, voilà, comme ça. Oui. Ouais, un peu plus, ouais. Je vais me mettre un peu plus. Ouais.
Là, voilà. Allez, dans l'autre sens. Ah si, c'est bien quand même. Ben oui. Si, si, c'est bien. Et moi, j'arrive mieux quand c'est les autres qui le font. Attends. Mais t'es pas au bout encore. Et si, je crois que je suis au bout. Ah bon? Ah ouais, ouais, ouais. Attends. Hop, je redresse. C'est laborieux, hein. Dis-le que c'est laborieux. Tu as le droit de le dire, hein. Mais ça, c'est quand on pratique pas. Tu as tout à fait raison. La porte du quai, là t'étais bien, mais allez, si tu continues, ça va plus le faire. Là, t'es pas mal. Je suis pas mal, hein. On va rester comme ça. Voilà, on va faire ça. On va aller faire un tour à pied, là. Bah, on va repartir avec le camion. Ah bon, d'accord. Non ? Ouais. Allez, d'accord. On va faire ça, on va dételer. Voilà. Voilà. Eh bien, si, on est bien en plus. Il y a juste le camion où je suis un petit peu en travers. Ouais, le tracteur. Non, la remorque. Regarde, la remorque, quand tu la lâches, elle est pas très droite sur la ligne, si. Mais comment ça, elle est pas très droite sur la ligne? Je sais pas. Mais elle est très droite, regarde. Ah ouais, bon. Ah, ça t'embouche un coin. Hein. Allez, je remets le Toby. Hop. Allez, messieurs. Allez, on y va. On va aller voir les places de parking. Là. Oh, merde, c'est interdit. Oh là là là, c'est interdit. Oh, mais c'est pour voir l'entrée. Vas-y, en marche arrière. Non, mais c'est interdit, c'est parce que tu vas en marche arrière, mais c'est si. Pas interdit. Putain, là, je vais me faire engueuler, ma gueule. Non, mais vas-y, en marche arrière, vous savez, pour rien dire. Mais n'importe quoi, que, si que ce soit en marche avant ou en marche arrière, c'est interdit quand même. Ah non. Non, mais... Mais toi, tu payes, toi. Et si tu vas en marche arrière, allez, la marche. On va faire une petite vue extérieure, on va juste se mettre là. Pour voir un petit peu, comme ça, vous allez profiter pour voir le camion. Voilà. Ah, et qu'est-ce qu'on a là? C'est Monsieur My Goodness qui est garé comme en travers. Voilà. Il arrive au frein à main. Allez, lift. On va BM. Faire ça. Hop. Non, clac. Ça pète un peu. Comment? En BM, ça pète un peu. Hop. Allez, hop, on va faire une petite balade. Whitney Houston. Ok, My Goodness Creator. Ouais, non, mais ça va. Puis et à côté, va voir. Et à côté, on a King Charles III. Le roi Charles III. Eh ben, punaise, mais ça rigole pas, My Goodness. Nous l'avons jamais su. Mais c'est bien, c'est bien. C'est bien qu'il ait mis ça, c'est marrant. Puis en plus, alors ce côté d'arriver avec sa voiture, je pense qu'il était pressé. Alors peut-être qu'il voulait aller au WC, ou peut-être qu'il était pressé parce qu'il fallait deux, qu'il... Deux places. Deux places. Bon, voilà, nous on va s'arrêter ici. Ah ouais. Voilà. Un peu mieux. Oui, mais voilà, ouais. c'est pour la fin. Voilà, on va s'arrêter comme ça. On a une belle vue du dépôt. Voilà, de l'entreprise Grand Utopia Express de My Goodness. On aura vu, on aura parlé un petit peu de nos amis BM Colo, Mister Kalash avec la TDZ qui est toujours bloquée à l'entrée. On va aller lui amener un café. Hein. Et on aura parlé de notre ami Nico et bien sûr My Goodness. Et puis c'est Turbo. Et t'as dit deux fois, Nico. Eh bien, Turbo, Transport, voilà, pour le fameux mode avec le son. Et puis, n'hésitez pas aussi, il y a Seb qui fait des lives et qui fait toujours ses petites vidéos sur American Truck Simulator et Euro Truck Simulator 2. Voilà. D'accord. Ok, et bien nous, on va s'arrêter là. Ça vous fait une petite vidéo de transition. On reprendra puis, notre périple. Ça vous permet d'aller rouler sur Grand Utopia un peu. Oui, et puis c'est important de montrer Grand Utopia, l'évolution, le travail que réalise My Goodness, c'est très important. Ouais. Et, c'est vrai, j'aime bien moi aussi. Bah oui. Et puis en plus, on a roulé avec un chouette petit camion. Bon, comme d'habitude, quand c'est Miss qui conduit, pas trop l'habitude. Moi, quand je reprends, mais pas l'habitude parce qu'on roule pas. En fait, on roule pas. On n'a pas l'habitude ni l'un ni l'autre. Ça fait, l'autre jour on a dit, ça fait 12 ans, on se l'a pété avec nos 12 ans et puis en fin de compte on sait toujours pas conduire un camion. Bon, c'est pas grave. Ouais. Alors imagine si on avait un grand volant comme ça de 40 cm. Hein, enfin bon, allez. Ori. Ori, on va bien essayer. Ouais, allez, laisse tomber Ori. Allez, G27. Miss G27. Je vais lui faire le coup un jour, je vais refoutre le G27. Allez, on a un cool. Un bisou. Oui, allez. Tu vois, hein.
Quoi? Chien? Qu'est-ce que tu dis? Tu parles chinois toi maintenant? Allez, salut à salut tous! Salut à tous! Ah, tu ne savais pas que je parlais chinois? Ah non, je ne savais pas. Ah, mais tu vois, je te surprends tous les jours. Tu sais que tu fais des nouilles chinoises, mais... Je suis surprenante, tous les jours je te surprends.